Alef, Amar Rav Amnuna. Amar Rav Amnuna, Maïdirtiv. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset de Kohelet? Dans l'Ecclésiaste, il y a écrit Mi, Kechacham, ou Mi Yodea, Pécher d'Avar. Qui est-ce qui est le sage? C'est celui qui sait faire des compromis. Pécher d'Avar. C'est lui le sage. Alors il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi ça parle? Alors il dit, il explique, Rav Amnuna, il explique, Mi ke akadosh baruch hu, she yodea lasot pshara ben shnei atzadikim. Qui est-ce qui est comme Dieu, qui a su faire un compromis entre les deux tzadikim, ben chizkiyahu le ishayahu, entre le roi Chizkiyahu, c'est-à-dire Ézéchias, et le prophète Ishayahu, qui vivait en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont joué tous les deux le jeu de l'honneur. Ron Misraki Kavot. Il a dit, L'été Ishayahu Gabai, c'est à Isaïe de venir vers moi. Moi, je suis le roi. C'est le prophète qui doit se respecter le roi. Donc, c'est à lui de venir me voir. Ve'achi ashkachan be'Eliyahu. Comme on voit ça avec Eliyahu Hanavi. Quand Eliyahu Hanavi, il y avait un problème avec Achab. Qui c'est qui est venu? C'est Achab. Azil gabe Achab. C'est pas Eliyahu qui a été voir Achab. C'est Achab qui s'est dérangé. Donc il a dit, voilà, donc moi je suis le roi, donc c'est à lui le prophète de venir se déranger vers moi. D'accord? Puisque il a eu peur de Achab, donc il a été le roi. Donc on voit bien que c'est le prophète qui va voir le roi. Donc il a dit, moi aussi je suis le roi, donc c'est le prophète Ishaya qui doit venir me voir. Chez Nehemar, comme c'est écrit à propos de Eliyahu, Vayelech Eliyahu le'arot el Achab. Eliyahu est venu voir Achab. Maintenant, Ishayahu, il a dit, Leite Chizkiyahu Gabai. Il a dit, c'est le contraire, c'est le roi qui doit venir me voir. Ishayahu. Il a dit, c'est le roi qui doit venir voir le prophète. Et la preuve, on voit ça avec Deachi Ashkachan Yehoram ben Achab. Le fils d'Achab, il s'appelait Yehoram. D'accord? Et Yehoram, c'est lui qui a été voir Elisha, le prophète Elisha. Donc, c'est la génération d'après Eliyahu. Eliyahu est venu voir Achab. En vérité, c'est parce qu'il était rachat, il a eu peur de lui. Mais après, Achab, il a eu un fils qui s'appelait Yoram. Il n'était pas si rachat que ça du tout. Donc, c'est Elisha, l'élève de Eliyahu, Ron. C'est Elisha qui a attendu qu'Achab vienne, que Yoram vienne. Donc il a dit Ishaya, il a dit, ben, je suis désolé, c'est au roi de venir chez le prophète. Donc ils ont fait un coup d'affrontement. Donc Ishaya voulait que Chizkiya vienne, et Chizkiya voulait que ce soit Ishaya qui vienne. Alors, on t'a dit le verset, c'est quoi? C'est que Dieu, il arrive à faire le compromis entre les gens. Quel compromis Dieu a-t-il fait? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a fait que Chizkiya est tombé très malade. Il est tombé très, très malade. Et donc, à ce moment-là, Ishaya est donc venu le voir, mais pas en tant que roi.
en tant que Bikur Cholim, il était venu faire visite aux malades. Donc il a gagné. Il a dit, tu vois, je suis venu te voir, mais pas parce que tu es roi. Parce qu'en vérité, c'est toi qui devais venir me voir. C'est moi qui suis venu te voir parce que je suis un bon juif, je fais Bikur Cholim. Et si toi tu es malade, je suis obligé de venir te voir. Donc on voit bien que le bon Dieu, il arrive à faire des compromis. Il les a obligés à se rencontrer, ouais. mais ça coûtait très cher à Hirskia parce qu'il allait mourir. C'est pas qu'il a fait Bikur Cholim parce qu'il y avait un rhume ou une indigestion du tchoulent. Il était en train de mourir. Vermarlo, lui, Shayaou. Et donc, Dieu lui a dit carrément, il est venu en prophétie, il lui a dit, l'air ou vaquer est à cholé, va visiter le malade. Ça ne se fait pas de pas visiter le malade, et surtout quand c'est le roi. Chez Nehema, et c'est écrit dans Ishaïa, Bayami Mahem a chala riskiaou lamout. En ces temps-là, Chizkiyahu devait mourir. Donc c'était le minimum que Ishaïa avait le voir. Vayavo elav Ishaïaou ben Amotz anavi. Et donc à ce moment-là, Ishaïaou est venu le voir. Vayomer elav, il lui a dit, Ko amar Hashem tzevakot. Alors donc, puisque les deux devaient se rencontrer, Dieu a provoqué que l'un tombe malade pour que l'autre vienne. Mais ce n'était pas Stam. Ce n'était pas pour rien qu'il est venu le voir. Il lui a dit, j'ai reçu un message de Dieu. Comme ça, il lui a dit, Ishaïa. Il a écrit, Tsav le Vetecha. Et il m'a dit de dire à, donne un ordre à ta maison qui mette à ta que tu vas mourir. Donc, il a annoncé à Chizkiyahu qu'il allait mourir. Velo Tichie, tu vas mourir et tu ne vivras pas. Alors, on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas mourir, c'est que tu ne vivras pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tu vas mourir et tu ne vivras pas. Alors, il dit, met à ta, tu vas mourir. Bah, olam hazé, dans ce monde-là, tu vas mourir. Et tu ne vivras pas dans l'olam haba. Et pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. Ah, il ne voulait pas. Il dit, pourquoi tu vas mourir dans ce monde-là et dans l'autre? Il dit, dans ce monde-là, tu vas mourir. Mais en plus, tu vas mourir dans l'autre monde parce que tu n'as pas voulu avoir d'enfant. D'accord? Alors, il dit, Maïkouléaï, qu'est-ce qu'il y avait besoin de tout ça? Il lui a dit, parce que tu n'as pas voulu t'occuper d'avoir des enfants. Donc, il était marié. Il n'était pas marié. Il ne voulait pas se marier parce qu'il savait qu'il allait avoir des enfants rachats. Amarle, il a dit, Mishum de Chazai, Liberoi Rodesh, il a dit, Riskea, ou il a dit à Ishaïa, j'ai vu, Berua Rakodesh, de Nafke Minai, Benin de Lamaale. J'ai vu que j'allais avoir des garçons qui allaient être pas convenables. Mais c'était vrai? On va voir. Alors, donc j'ai dit, je ne veux pas me marier, comme ça je n'aurai pas ces enfants-là. À Marley, alors il lui a répondu, alors, donc il dit, voilà, donc je t'annonce que je suis venu te faire Bikur Cholim, mais je suis venu t'annoncer que tu vas mourir dans ce monde-là et dans l'autre monde. Donc il lui a dit, à Marley, Ba'ade kavshe de Rahmana Lamalach. Il lui a dit, si, peut-être que tu peux convaincre la miséricorde de Dieu. Peut-être que toi, tu peux prier pour moi pour que j'ai la miséricorde de Dieu. Maï de mi pakad ibaelach le mevad. Et ce qui a été décidé, ça doit arriver. Donc il lui dit, c'est fichu. Comme ça, il lui dit, Ishaïa. Il a dit, qui t'a dit qu'il faut laisser le bon Dieu faire? Peut-être que si tu insistes, Dieu il peut changer.
30, donc je peux peut-être changer le... Toi, tu as dit que tu allais avoir des enfants, Racha. Donc, tu n'as pas voulu te marier. Mais si tu arrives à convaincre Dieu de ne pas te donner des enfants, Racha, par la prière, on peut tout changer. Donc, et par la prière, tu n'as qu'à demander à Dieu que tu n'aies pas des enfants, Racha. Et dans ce cas-là, tu peux te marier. D'accord ? Amarle, il lui a dit, Ashta. Et alors, il lui dit, tu sais quoi ? Ashta, si c'est comme ça, Avli Bratach, donne-moi ta fille. Donne-moi ta fille. Avli Bratach, donne-moi ta fille. En mariage, ça veut dire. D'accord ? Il dit pourquoi ? Efchar de Garma Sruta Didi Vedidach. Peut-être que le mérite, ton mérite et mon mérite, grâce à ta fille, nos deux mérites vont se marier, et donc tu n'auras pas des enfants méchants. Tu auras des enfants bien. D'accord ? Donc il a mis au pied du mur, il a dit, puisque tu dis Chayaou, que on peut changer tout par la miséricorde, il dit, mieux encore, faisons un mariage entre nous, et ça marchera. D'accord ? Mais Nafki Minai Bednin de Malé. Il a dit comme ça, il sortira de ce mariage, il sortira des enfants bien. Amarle, il lui a dit Gvar Nikzera Alecha Gzera. Il lui dit, Ishayahu, il lui a dit le décret, il a déjà été fait sur toi. D'accord ? Alors, Amarle, il lui a répondu Ben Amotz, c'est le nom de famille de Ishayahu ben Amotz. Donc, quand on ne respecte pas tellement quelqu'un, on l'appelle du nom de son père, quoi. Comme les Juifs, quand ils respectaient pas Moshe Rabbeinu, ils l'appelaient Ben Amram. Donc, ils l'appelaient Moshe, ils disaient Ben Amram. Donc, il dit... Quand il veut lui dire qui t'y es, toi, tu n'es pas un si grand prophète, hein, il dit Ben Amotz. Tu es le fils de ton père, mais tu n'es pas toi-même. Il a dit Ben Amotz, Kale ne voit trave et tse. Termine de dire ta prophétie et fiche-moi le camp. Donc il a crié dessus. D'accord ? Ça veut dire que tu viens m'annoncer la mort. Au lieu de m'annoncer une bonne nouvelle que je vais guérir, tu m'annonces la mort dans ce monde-là et la mort dans l'autre monde. Quand je te propose de me marier avec ta fille, tu me dis non, c'est la Gzera, elle est déjà écrite. D'accord ? Et il lui dit, va-t'en d'ici avec ta prophétie. Ben Amotz. Il a dit, pourquoi ? J'ai reçu une tradition de mon ancêtre. Qui c'est mon ancêtre ? C'est David Amelech. Vous savez, il dit Chizkia. J'ai reçu une tradition. Afilu cherev chada munachat al savaro shel adam. Que quand même quelqu'un, il aurait la guillotine sur le coup, il ne doit pas désespérer de la miséricorde. C'est-à-dire même quand c'est fini, c'est pas fini. Il faut de fat lady things pour les opéras. Ben ouais. Même quand tu crois que c'est fini, tu as le glaive sur le cou, tu ne dois pas désespérer de la miséricorde. Alimnats mom minarachamim. Donc il a dit, j'ai une tradition. D'accord ? J'ai une tradition depuis David Ameller. Et nous on le sait parce que David Ameller, il raconte que il a vu l'ange de la mort. Et l'ange de la mort devait le prendre. Et il a prié et l'ange de la mort, il est parti. Donc ça veut dire que même quand tu as là l'épée
placé sur le cou, ne désespère pas de la miséricorde. D'accord ? Comme on voit avec il y avait deux amis pendant la Shoah. Il y en avait un, il était très très optimiste. Il a dit, moi je ne mourrai pas dans la Shoah, je survivrai. Et l'autre, il a dit, ah, arrête de rigoler, on est ouf. Chaque jour, ils envoient celui-là, donc notre tour, il va arriver bientôt. Arrive le jour J, et donc ils rentrent tous les deux dans la chambre à gaz, et l'autre, il dit, tu vois, je t'ai dit que tu es un optimiste idiot, quoi. Et l'autre, il a dit, non, je te dis que je ne mourrai pas dans la Shoah. Je sortirai d'ici vivant. Mais arrête, tu vois bien, ça y est, ils vont fermer la porte et tout. Et ils ferment la porte. Et ils vont commencer à mettre du gaz. Tout à coup, la porte s'ouvre. Et quelqu'un, et le nazi, là, le Gestapo, il dit, enfin, je sais pas qui c'était, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais ici? Et il dit, moi. Allez, sors. Il est sorti. Et la porte s'est refermée, donc l'autre est mort, gazé. Et lui, il a échappé à la Shoah. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que il a respecté ce qu'il avait écrit ici, que même quand tu vois le glaive placé sur ton cou, ne désespère point de la miséricorde. Vous avez compris? Alors, donc il lui dit, donc tu es pas sérieux, Ishayahu. Mais tu es pas sérieux. Parce que tu as... Moi j'ai cette tradition. En plus, c'est connu que Ishayahu aussi descendait du roi David. Donc il aurait dû avoir cette tradition aussi. Et on voit qu'il l'a pas eu. Je vous ai dit la Agada numéro 51. Alors, donc vous cherchez la Agada 51. Le problème, c'est que qu'elle n'est pas classée de la même façon. Donc il y a un petit bug. Mais Kitsu. C'est en français, c'est le même. C'est bizarre que ce soit pas le même lettrage. Non, ça va. Alors. Mais non, 51. Non, c'est 51. La Agada 51. Nous, on Aleph. Que j'aurais fait exprès. Mais Kitsu. C'est un gosse, hein. C'est un prophète. Vous avez suivi l'histoire, alors? Oui. Donc il lui dit, donc tu es... Il lui sort d'ici avec ta prophétie. Mais dis-moi, je suis pas ta sœur. C'était gentil de faire ça pendant que ça enregistre. Comme ça, tout le monde entier va être au courant. Donc il lui dit, tu ne dois pas désespérer de la rachamim, mais c'est ce que tu me dis à moi de faire. Tu me dis, tu vas mourir... La xéra, elle est faite, ta, 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 ta. Il dit non, voilà, David Amelech, il avait une xéra, puisque l'ange de la mort est venu. C'est qu'il lui a, l'ange de la mort, il était là pour le prendre. Et il a dit non, tu ne me prends pas, va-t'en d'ici. Donc on voit bien que même s'il y a la xéra décrétée, à l'instant même, avec le glaive sur le cou, ne désespère pas de la miséricorde. Et donc il lui a fait honte à Ishayahu, il lui a fait une leçon de morale. Itmar l'ami, on dit aussi, Rabbi, on dit ça aussi au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, d'Amret Arvayou, tous les deux ils ont dit. Quand on dit ils ont dit tous les deux, ça veut dire qu'en général c'était deux sages qui étaient en marloquette. Qui étaient toujours en marloquette. Et quand on dit ils ont dit tous les deux, ça veut dire que là-dessus il n'y avait pas de marloquette. D'accord? Quand par exemple la période de Nissan, Nachon, le rabbi il fait la guerre pour pas qu'il y ait que les chivots ferment, parce qu'il dit c'est pas normal que les chivots ferment en Nissan.
Tu arrives au CDR, avant les enfants, ils n'ont rien fait pendant 15 jours. Ils ont cassé les pieds à leurs parents, ils font les oies dans les rues, ils mettent le feu aux poubelles. Ils mangent des pizzas, ils ne savent pas qu'ils aient de leur mère. C'est une pagaille folle. Donc le rabbi ne voulait pas qu'il y ait un benazmanim. Il voulait que les gens, que les élèves, ils quittent la yeshiva la veille du CDR. Juste pour l'abdicat Hametz. Non, parce qu'on sait très bien qu'ils n'aident pas. Ils cassent plus les pieds à leurs parents que... Et le Rav Char, il disait exactement pareil. Il disait qu'il est... C'est inconcevable que les yeshivot ferment pendant un mois entier à Ben Azmanim. Donc vous pouvez dire... Le Rav Char et le Rabbi ont dit ensemble, on ne veut pas que les yeshivot ferment à Ben Azmanim. Mais on veut bien que ni l'un ni l'autre n'ont eu raison, puisque... Mais ils ferment à Rosh Chodesh Nissan et ceux qui habitent en Amérique, ils s'en vont après pour une. Donc c'est carrément la pagaille totale. Donc si on te dit que deux personnages qui étaient en marloquette ne le sont pas, ça veut dire que vraiment il y a eu un consensus positif entre eux. Et donc il y a un consensus entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, qui ont dit tous les deux, quand même si tu as l'épée aiguisée sur ton cou, ne désespère pas de la miséricorde. Donc quand les docteurs ils disent c'est fini, etc., il ne faut pas les écouter. Les docteurs, ils sont faits pour soigner, ils ne sont pas faits pour décréter la fin, ils sont là pour faire tout ce qu'ils peuvent pour soigner. Et c'est écrit dans Job, « Enikteleni lo ayahel ». Même de le tuer, je ne le souhaiterais pas. C'est-à-dire que tu n'as pas à espérer que la fin va arriver. Tu vas avoir des surprises. Quelqu'un il m'a téléphoné à quelques jours, il m'a dit je dois voyager d'urgence. Il y a quelqu'un qui est très très gravement malade. Et les gens veulent que je sois là pour les derniers moments. Je lui ai dit, tu voyages pas du tout. Tant qu'il n'est pas mort, il n'est pas mort. Et ben voilà. Mais la preuve, c'est que la personne est encore vivante et qu'elle a encore encore de quoi faire. Donc c'est complètement farfelu de dire quand c'est fini, c'est fini. Le sauf Yav les braté. Alors comme il a été vexé, Chayaou il a été vexé, alors il a donné sa fille. Il s'est marié avec sa fille, pas sauf. Donc comme il s'est marié avec sa fille, il était guéri. Les enfants, ils sont devenus. Donc, tout ce qu'il lui a dit, que tu as plus le olamaba, le olamazé, tout ça s'est annulé. Et il a accepté le mariage de sa fille avec lui. Mais malgré tout. Il a fait une grosse tueur. Eh oui, parce qu'il a reconnu qu'il s'est trompé. Et il dit Nefak Miné, il est quand même sorti de lui, de Chizkiyahou, le roi Ménaché. Le roi Ménaché. Maron qui a fait pique-pendre pendant 33 ans, il a tué et fait Avodah Zarah. Donc il avait donc raison, le roi Chizkia. Il savait bien qu'il allait avoir des enfants durs. Et il a eu un autre fils qui s'appelait Rav Shaké. Ménaché et Rav Shaké. Alors vous allez dire, bon, c'est bizarre que je connais Ménaché, mais qui c'est qui connaît Rav Shaké? Alors il te dit, voilà, un jour, ils étaient tous les deux sur les épaules de leur père, Rav Shaké et Ménaché. Et il les amenait par force au Beit HaMidrash. Ben ouais, comme si c'était des voyous, quoi. Donc il les tenait par force sur ses épaules pour les emmener au Beit HaMidrash. Et l'un des deux, il a dit à son frère, regarde la tête de papa. On dirait une galette. Il a une tête de galette, papa. Donc il a insulté son père, quand même, tout fort. Et l'autre, il a dit, regarde la tête de papa, j'aimerais bien lui couper la tête pour faire Avodah Zarah avec sa tête. Donc, quand l'insulte du premier de Ménaché, il a toléré. Bon, il a une tête de galette. Bon, allez, ça va. Mais quand l'autre, il a dit,
Ah, si je pouvais lui couper la tête pour faire un bazar avec, là, ça l'a tellement énervé, il a jeté son fils et il l'a tué. On rigole pas hein, dans le... D'accord ? On rigole pas dans le tanar. Donc effectivement, il avait raison, il a eu deux garçons terribles. Et bien qu'ils se soient mariés avec la fille de Jayaou. Donc on aurait pu dire un mariage comme ça, ça aurait dû donner des gens bien. D'accord ? Donc il dit, Ménaché, il a survécu. Et Rav Shaké, il est mort. Donc il ne restait plus qu'un fils. D'accord ? Kari Anafshe, Rechelai Kelav Raim. Alors il a dit sur lui, mes ustensiles sont des ustensiles pourris. C'est-à-dire qu'il était désespéré du comportement de ses enfants. C'est ce que je dis toujours aux gens qui ont des problèmes de Rinour. Mais quand vous voyez les enfants du roi David qui voulaient le tuer, les enfants de Hizkiyahou, qui étaient des spécialistes de la Avodah Zarah et du crime. De quoi vous plaignez? Parce que il n'a pas mis le chapeau pour faire Mincha. Il faut remettre les pendules à l'œuvre. Il faut relativiser la gravité du chino que vous voyez chez vos enfants. Les gens, ils sont catastrophés. Mon fils, il veut pas manger, ce que je sais moi, des matzot, il voudrait manger des papuchado. D'accord. Alors, regarde un peu les enfants du Tanar, c'était des drames. D'accord. Surtout que Ménaché, pendant 33 ans, c'est pas qu'il a quelques mois, il était voyou. 33 ans, il a fait damner le peuple juif. Donc il avait donc raison, Hizkiyahou. Il avait donc raison quand il voulait pas se marier, là, là, etc. Donc il a écouté la miséricorde de Dieu, mais on voit qu'il avait quand même eu juste. Vous vous rendez compte? Donc il a dit, mes enfants sont pourris. J'ai eu des enfants pourris. Qu'est-ce que je peux faire? Donc en fait, l'éducation, c'est une loterie, quoi. Il faut prier que les enfants tombent bien, quoi. C'est pas du tout évident. Moi, à l'époque, je croyais que j'étais bête. Que c'était obligatoire, quoi. Tu fais ça, ça, ça fait ça. Ta 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 ta. C'est pas tout à fait juste. Mais la preuve, c'est que le rabbi Rachab, il avait dit à un chassid, il lui a donné une bracha, il lui a dit, je te souhaite que tous tes enfants restent religieux. Alors, ça veut dire que c'est pas évident. Que tous tes enfants restent dans la Torah. Donc on voit bien que c'est pas évident que tous les enfants restent dans la Torah. Il faut beaucoup prier. D'accord ? Donc, on voit que... qu'est-ce qu'on apprend de là ? On apprend qu'effectivement, tu n'as pas à dire j'évite d'avoir des enfants de peur qu'ils tournent mal. Ça ne te regarde pas. Hein ? La mitzvah d'avoir des enfants, c'est une mitzvah. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir ? C'est une autre paire de manches, comme on dit. D'accord ? Même le pauvre le Rav Herzog, d'accord ? Rav Herzog, c'était le grand rabbin d'Israël. Et il a un petit-fils qui est le chef du parti socialiste. D'accord ? Donc, il ne doit pas être très fier de ce qu'il est devenu. Mais c'est pas grave. Mais il était obligé d'avoir des enfants. Donc, il te dit, Ishayahu, il a eu tort parce qu'il a pensé que la xéra, on ne peut rien faire. On t'apprend que ce n'est pas vrai. Toute xéra, tu peux la changer. Et même si Hizkiyahou avait raison que ses enfants allaient mal tourner, c'était pas son problème. Il fallait qu'il les ait quand même. C'est dur quand même, non? C'est dur, mais c'est comme ça. C'est la vie.
Mais, et surtout, il ne faut pas avoir peur de ses enfants. La plupart des parents, il y a des parents qui ont peur de leurs enfants. Ils ont peur de Ron, comment ils vont réagir si je lui dis ça. Mais dis-moi, Ron, on a vu plus de catastrophes quand tu ne dis pas à ton fils que quand tu lui dis. Ron, ils ont peur. Si je lui dis, il va se tordre. Et bien alors, il se tord. Mais quand sa femme, elle va lui dire une phrase de travers aussi, il va se tordre. C'est comme ça. Il y a plein de parents qui ont peur de leurs enfants. On dirait qu'ils vont les traumatiser et les rendre des bandits. Mais non, les gens, les enfants, ils ont plus de... Ils comprennent, quoi. Même s'ils ne comprennent pas sur le coup, ça cogite dans leur tête, bien sûr. Donc on voit cette histoire. Donc il te dit, il ne faut pas désespérer de la miséricorde. Donc on voit qu'il y a bourré. Il y a plein de choses à apprendre de cette histoire. Cette Haggadah-là. Et il continue, il te dit, Amar Rabbi Hanan, Afilou Baal HaLomot, Omer Lola Adam, même si il y a le... Il y a des rêves qui sont réels. La plupart des rêves, c'est des bêtises. C'est des rêves de l'estomac. Hein? La plupart des rêves qu'on fait, c'est des rêves complètement ridicules. Ça n'a aucun sens. C'est des rêves de l'estomac. Ça dépend ce que vous avez mangé avant de dormir, quoi. D'accord? Comme si, ce qu'on faisait quand on était dans les colonies de vacances, on faisait comme ça. On soulevait la couverture et vous jetez de l'eau sur les orteils. Jetez de l'eau sur les orteils. Hein. D'abord, les gens, ils font pipi, tout de suite. Et ils rêvent, les gens rêvent qu'ils sont en train de se noyer. Vous rêvez quelques gouttes sur les orteils. Ah bon? Oui. On faisait ça quand on était dans les colonies de vacances. On était bêtes. Et alors, personne se réveille en sursaut. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'étais dans la mer, j'étais en train de me noyer. Tout simplement parce qu'elle a eu des gouttes d'eau sur le pied. Donc la plupart du temps... Ça va s'entendre ça, moi. Hein. Ben oui. Moi, combien de fois je me réveille dans la nuit, je suis au pôle Nord parce que j'ai l'orteil qui dépasse et il y a un coup de vent. Ben, vous dites... Ah, oh, j'ai fait un cauchemar terrible, j'étais dans le pôle Nord. Mais tout simplement parce que tu avais le pied qui dépassait sur la couverture. Donc ça fait un coup de froid. Et donc ta tête, elle commence à... Donc les rêves, on te dit, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pratiquement que des bêtises. Mais alors là, il te dit un vrai rêve. Le Baal HaKholomot, le patron des rêves, il vient et il te dit, tu vas mourir. Il t'annonce la date, l'heure et tout. Marron. Et il te dit, demain tu meurs. D'accord ? Même si le Baal HaKholomot lui-même, il vient t'annoncer que demain tu meurs, tu ne dois pas désespérer de la miséricorde. Tu dois dire, non, je vais prier, je vais lire Tehilim, et je ne mourrai pas. Et voilà comme ça marche. Pourquoi vous riez ? Ouais. Je dis, il dort pas toute la nuit. Ben oui. Lui, il te dit, bien sûr, c'est normal, tu ne dors pas toute la nuit, c'est là, ça fait peur. Il dit, oui, mais c'est pas grave, ne désespère pas de la miséricorde. Il n'y a que M. Pharaon qui, quand on lui annonce qu'il va mourir dans la nuit, il lui dit, fais ta prière, Tom Douli, demain tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'il fait, Rachid? Il dit, il s'est levé en pyjama. À minuit, quand il y a l'ange de la mort qui tue tout le monde, il se lève, il écrit... Comme Rachid te dit, Mimitato, il s'est levé de son lit. C'est vrai, ça ne l'a pas dérangé. Il a bu un petit coup de whisky, tac, il s'est mis au lit. Mais attends, mais tu vas mourir à minuit, tu te trouves à faire d'aller au lit. Ouais, donc alors. Donc c'est normal que si on vous annonce une nouvelle terrible, vous n'allez pas dormir. On ne vous a pas dit d'aller dormir. Mais on te dit, quand même, prends le Tehilim et tu as déjoué ça par les Tehilim. Comme ça qu'on t'a dit. Même si le Baal HaKholomot, il vient t'annoncer que demain tu meurs. D'accord ?
comme il s'est écrit dans Kohelet, qui berov halomot, la plupart des rêves, va avalim, ce sont des bêtises, ou dvarim arbe, et c'est bourré de paroles inutiles. D'accord ? C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs dans le Birkat Kohanim. Vous êtes demandé peut-être pourquoi chez Chabad dans la Birkat Kohanim, dans les fêtes, on fait aïe 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 aïe. Pourquoi on fait si long? C'est pour laisser les gens, pendant qu'ils chantent, lire la Atavat Chalom, lire la comment on appelle ça, l'interprétation des rêves. Quand vous avez un rêve qui vous triture, non, mais nous en Israël on fait tous les jours, donc c'est plus facile. Ah, c'est quoi, c'est... Hein? C'est où, c'est... Au moment de la Birkat Kohanim, il faut lire un texte qui dit si j'ai un rêve, je ne sais pas ce qu'il veut dire, hein? Transforme le moi. Non, il est dans les sidourim, il est dans la tfila de Yom Tov. Mais donc nous, comme on le dit tous les jours, si vous avez un rêve qui vous triture, vous allez à la choule, et au moment de Birkat Kohanim, vous dites ce texte pour avoir une interprétation favorable au texte, au rêve. D'accord ? Si vous avez un rêve qui vous triture. Si c'est un rêve qui vous dérange pas, moi, par exemple, je ne tiens pas compte de mes rêves. Même si c'est dramatique, je ne me réveille pas du pied gauche, je m'en fiche. Parce que, non, parce que je ne suis pas superstitieux. Donc, même si je rêve que je suis un... Des fois, quand c'est pas des rêves idiots, des fois je m'en souviens. Et ça m'est complètement égal. Alors qu'il y a des gens qui se réveillent, ils sont mal, ils n'arrivent pas à prendre leur café, ils sont... Alors, si tu es mal, si tu es, comment dire, inquiet du rêve, va à la synagogue et au moment de la Birkat Kohanim, ou le Shabbat, en tous les cas, ça commence plus tard, donc tu peux, et tu diras cette atavat chalom, ça veut dire l'amélioration du rêve. Qu'on interprète que le rêve soit bien. D'accord ? Les Marocains, ils faisaient comme la Gemara, elle demande. Au Maroc, ils faisaient comme ça, ils prenaient trois personnes, des amis, et ils leur racontaient leur rêve, et l'autre devait répondre « Chalom tov, chalom shalom, chalom tov, chalom shalom ». On peut faire ça aussi. Mais si tu as pas, si tu veux plus fort que ça, tu Birkat Kohanim, c'est plus grand. Donc il dit, même si le patron des rêves, donc c'est un rêve qui est estampillé réel, il t'a annoncé que demain c'est fini, eh ben ne crois pas dans ce rêve. D'accord ? Et alors, il te dit, alors il revient à l'histoire de Hizkiyahou, il te dit immédiatement, une fois qu'il a convaincu Ishayahou de lui donner sa fille pour se marier, donc ils ont raconté l'histoire, ils ont été vite, il te raconte ce qui s'est passé, tout de suite, il s'est levé de son lit et il a prié. Donc ça veut dire qu'il n'est pas mort. Du tout. Donc la prophétie, donc c'est une prophétie, Dieu lui a parlé à Ishayahou, lui a dit voilà, va lui dire à Hizkiyahou qui va mourir, bon la mazé, bon la maba. Donc même une prophétie, tu aurais pu dire, non, mais c'est une prophétie, il n'y a rien à faire. Et malgré tout, il s'est tourné face au mur et il a commencé à prier. Et il s'en est sorti. Et il a eu un roi qui a un fils qui a. Et après, il a fait tchouva après 33 ans, etc., etc., etc. Donc, même si ta crainte de voir tes enfants mal tournés se réalise, eh ben, si tu leur as donné un bon chinour et tu as prié pour eux, ils reviendront. Ils reviendront. Il y avait un monsieur d'un certain âge,
Il me disait toujours, moi j'ai reçu des coups à l'école, chez les juifs comme ça, à l'école Talmud Torah quoi. J'ai reçu des coups, je me suis sauvé. Et j'ai quitté la Torah pendant 60 ans. Ni Kippour, ni Shabbat, rien du tout. Ah, il m'a dit, vous voyez, est-ce que c'est le chinour On m'a traumatisé. Je vous ai traumatisé, mais quand même, vous êtes là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après après coup, toute l'éducation qu'on a donnée, elle finit par donner des fruits. Donc il faut être patient, c'est tout. Il faut être patient. C'est un gros problème, mais il faut être patient. Et c'est ce qu'il a fait, Chizkiyahou. Il a prié, il a guéri, il s'est marié, il a eu un enfant, etc., etc., etc. Et il a tué en plus. Il a tué l'autre fils. C'est-à-dire que c'était un drôle de caractère, quoi. D'accord ? À l'époque, aujourd'hui, il aurait été en prison. Il a jeté son fils par terre, il a tué. Alors, il te dit, il s'est mis face au mur. Et il a prié à Dieu face au mur. Agmara dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire face au mur ? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mikirot Libo. Il a prié avec les murs de son cœur. C'est pas le mur en pierre. Et que les murs de son cœur. Ça veut dire qu'il a prié de tout son cœur. Il a tapé au fond de son cœur. Donc c'est-à-dire que c'est pas Stam, tu fais ah, non, il faut prier de tout ton cœur pour que la miséricorde se réalise. Pareil, tu peux pas Stam prier avec une bouche de qui pense pas ce qu'elle dit. D'accord. Alors, ça c'est la première chita, c'est-à-dire qu'il a prié de tout son cœur. Et une autre chita, c'est Rabbi Lévi, il dit « Aliske Akir ». Il dit « Aliske Akir », il a prié sur les histoires du mur. Qu'est-ce que c'est les histoires du mur ? Quand est-ce qu'il y a eu des histoires de mur dans la Bible ? Il dit ben, « Rappelle-toi ». Il y avait l'histoire de la Shunamite. Vous voyez, quand vous lisez la Haggadah, il faut connaître beaucoup le Tanakh. Il y avait l'histoire de la Shunamite. La Shunamite, c'est la femme qui est venue voir le prophète Elisha, l'élève d'Eliaou. Et lui, tout le temps, il venait chez eux. Chez cette dame. Et comme il était un prophète, alors elle lui a dit on va lui fabriquer une chambre à lui. Parce que vous savez qu'à l'époque, comme c'était comme ça il y a pas longtemps, les gens vivaient dans une pièce. Dans une pièce, il y avait tout. La cuisine, la salle à manger, la chambre à coucher, les toilettes, il y avait tout dans la même pièce. Il vivait dans une grande pièce, il y avait des rideaux pour fermer, quoi. Donc elle a dit, ça ne se fait pas que le prophète Elisha, il n'ait pas son intimité, on va lui construire une pièce à lui. Donc c'est ça Donc ils ont monté un mur. Voilà l'histoire du mur. Alors il dit, quel rapport ? Il dit, elle a fait un mur, et comme elle lui a fait un mur, c'est-à-dire elle lui a fait une pièce de tranquillité, il lui a dit, tu seras enceinte et tu auras un enfant, un garçon. Et ça s'est réalisé, elle a eu un garçon. Et après quelques temps, il est mort. Qui, le garçon ? Le bébé, l'enfant, oui. Alors elle est venue se plaindre, elle lui a dit, dis-moi, à quoi ça sert de me donner une bracha, d'avoir un garçon ? Et je l'ai attendu tellement longtemps et maintenant il est mort. Alors, il lui a fait la résurrection des morts.
Il a, la Torah te dit, il a fait du bouche à bouche. Il dit bouche, bouche, main, main, pied, pied. Il s'est mis complètement sur lui, membre à membre. Ribekoto, il a enlacé de tous et il a ressuscité. Et il a dit à la femme, il a dit, cet enfant-là, il s'appellera Habakkuk. C'était le prophète Habakkuk. Et pourquoi Habakkuk ? Parce qu'il a, ribekoto, il a embrassé de toutes ses forces. Donc il te dit, quand Hizkiyahou, il a prié au mur, il a prié comme le mur. Comme l'histoire de la Shunamite. Ça veut dire être capable de prier tellement fort que Dieu va ressusciter le mort. Donc c'est une grosse histoire. La Shunamite, c'était une femme qui avait une très grosse volonté pour que le fils ressuscite. Mais on est faible de volonté de Ron. Donc dès qu'il y a moins de trucs qui ne marchent pas, on baisse les bras. Pardon ? Il faut jamais baisser les bras. Ben ouais, il faut jamais. Moi je vous l'enseigne parce que c'est écrit, hein, mais. c'est pas dire que je le fais. Ça je le fais, hein. Ouais, qu'on n'est pas à la place des autres. Pardon ? Ouais, j'ai rien dit. Non, c'est très dur de réaliser ce qu'il dit. On connaît pas l'adresse des autres. Ouais, et alors il t'a dit, il a dit, Ribono Shelolam, il a dit, comme la Shunamite, elle n'a fait qu'un seul mur pour séparer la maison de la chambre d'Elisha, et grâce à ça, il lui a ressuscité son fils. Ron, il a dit, mon Aviaba, le père de mon père. Qui c'est le père de mon père? C'est le roi David, encore une fois. Il a couvert le Beth Amikdash. Il a couvert le Beth Amikdash avec de l'argent et de l'or. Alors, à plus forte raison que tu vas me répondre, puisque nous, la famille du roi David, on est quand même plus important que la Shulamite. Donc il lui a dit, je veux que tu me guérisses comme tu as guéri, comme tu as répondu à la Shunamite à l'époque. Donc il a joué sur le mérite de la famille royale de David pour avoir la réponse pour être guéri. D'accord ? Parce qu'en fait, ça veut dire que la lignée de la royauté de David va continuer grâce à ça. Sinon elle se serait arrêtée avec lui. S'il était mort. D'accord ? Et alors, de là on voit que il t'explique comment le miracle s'est produit au niveau de Hizkiyahou, comment la xéra de Ishayahou il avait vu, elle n'a pas eu lieu. C'est pas réalisé. Parce qu'il a prié pour enlever la xéra. Lui-même. D'accord ? C'est vrai qu'en général, on prie pour les autres. Mais quelqu'un qui prie pour lui-même, c'est encore plus sûr qu'il va être répondu. Pas comme les gens y croient, d'accord ? Si quelqu'un il est malade ou il a une xéra, ne dis pas, c'est aux autres de m'enlever la xéra. Non ! Toi-même, tu vas t'enlever plus facilement la xéra que les autres qui vont prier pour toi. Parce que, a priori, c'est plus sûr quand tu es touché par quelque chose que tu vas bien prier qu'un étranger. Un étranger, il va dire, bon bah, ça va, j'ai fait quelques tehillim pour lui, mais pas plus. Mais si quelqu'un il a une xéra sur lui, bah, il va tout faire pour l'enlever. C'est comme ça dans la Torah, il met même Eh oui, c'est ça. Imanel et Imili. Et donc voilà, il te dit donc, le roi Hizkiyahou, malgré la prophétie du prophète Ishayahou, qui était une prophétie réelle, il a réussi à prier et empêcher la xéra de mourir et il a eu des enfants.
D'accord. Alors, il y en a qui disent... Bon, donc, il y en a qui ont répondu, il a prié de tout son cœur. Il y en a qui disent, non, il a prié en comparant sa tchouva et sa prière à celle de la Shulamite. Il y a une troisième chita qui dit... Il dit, non, il a prié... Il a tout simplement raccroché la Géoula à la Tfila. Nous, on fait ça tout le temps, là, quand on prie la Tfila du matin, on dit « Baruch HaShem Gaal Israël » et on prie la Tfila du matin. Et lui, il a fait ça, mais il a fait ça dans le sens spirituel. Nous, on le fait techniquement. On dit « Baruch HaShem Gaal Israël HaShem Slatay Tifta » On entame comme ça. Lui, il a relié la fila à la Géoula. Ça veut dire qu'il a prié. Et donc, ça lui a amené la Géoula. La Géoula de son problème, quoi. Alors, chacun, il a un problème. Il a un truc où il n'arrive pas à s'en sortir. Ça s'appelle une Égypte. Quand tu fais la fila comme il faut, tu relis la fila à la Géoula. Et c'est ce qu'il a fait, le roi Piskiya. Alors nous, on nous dit de faire ça le matin. Et c'est en vérité automatique. Mais on ne le fait pas comme il faut, on le fait. Bon, si que Dieu nous plaise, il y a un problème qui nous touche. Eh ben, on va se rendre compte qu'on est capable de prier comme il faut. Combien de fois vous avez prié comme il faut? C'est très rare de prier comme il faut. En général, on prie... On prie technique. Vous connaissez l'histoire de Rabbi... Nous terminerons avec ça. L'histoire de Rabbi Lévi... De Rabbi Aaron de Karline. Qui avait un... Il y avait un enfant malade. Ils sont venus le voir, ils ont dit, il faut que tu pries pour cet enfant. Il a prié, et il a guéri. Ils sont venus, il a dit, bravo, kol hakavod, ta tfila, elle a marché, il a commencé à pleurer. Alors, il dit, pourquoi tu pleures? Il a guéri. Il dit, non, parce que j'ai pas pleuré comme si c'était mon enfant à moi. J'ai pleuré comme si c'était l'enfant d'un autre. Et ça, j'ai honte de ça. J'aurais dû avoir vraiment la kavana comme si c'était mon propre fils qui était malade. Là, je l'ai fait comme le fils de l'étranger. Alors, c'est vrai que Dieu m'a écouté. Mais vis-à-vis de moi, c'est pas comme il faut. J'aurais dû prier plus fort que ça. Ressentir la souffrance du père comme si c'était la mienne. Voilà. Donc là, on te dit, Chizkia, il a fait comme ça. Lui, il a prié. Il a tellement prié fort qu'il a relié la Géoula à la Tfila et donc il est sorti de son problème. Voilà. Je vous remercie de votre attention.